Et la teneur de ce message du chef de l'État Idriss Déby Itno à son Excellence Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle de la fusillade ce dimanche 1er octobre 2017 à Las Vegas, dans l'ouest des États-Unis d'Amérique, ayant causé la mort de plus de 50 personnes et 406 blessés. En cette circonstance douloureuse pour vous-même et pour le peuple américain tout entier, je vous adresse au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'en mon nom propre, nos condoléances les plus attristées. Cette attaque la plus meurtrière contre de paisibles Américains nous interpelle tous à redoubler de vigilance et à mutualiser les efforts pour lutter contre les ennemis de la paix, tout en condamnant avec fermeté cet acte lâche et inouï. J'exprime à votre Excellence notre solidarité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés en vous demandant de transmettre aux familles endeuillées notre profonde compassion. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma haute considération. Ce message est signé d'Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l'État. Un autre message, cette fois-ci, à Madame Angela Merkel, la chancelière allemande. Madame la chancelière, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon nom personnel, l'honneur m'échoit de vous présenter à l'occasion de la commémoration du jour de l'unité allemande le 3 octobre 2017 nos vives félicitations et nos meilleurs voeux. En cette heureuse occasion, je me félicite de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux États amis et vous réaffirme mon engagement à œuvrer davantage à leur consolidation et leur intensification dans l'intérêt commun de nos deux peuples. En vous souhaitant une bonne fête de l'unité, je vous prie d'agréer, Madame la Chancelière, les assurances de ma très haute considération. Ce message est signé Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad et Chef de l'État.